Mais quelle est cette école incroyable? Regardez-moi ça, il y a du diamant, de l'or, waouh! Mais l'école a totalement changé, mais quelle est cette école de fou? Oh, mais attendez, il y a Awariz, Anna, une brute, et il y a Chloé. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ici? Moi aussi, je veux venir à l'école. Wouh! Eh oh! Eh! Je vais pas raconter mon week-end sur mon yacht, les amis. Ah non, vas-y, raconte-nous. Oh, c'était incroyable, on a fait une soirée entre plus de 10, c'était vraiment la meilleure soirée de l'année. Ça devait être génial. Ah oui, oui, oui. J'ai pas pu vous inviter, malheureusement. Il y avait plus assez de place. On était déjà 800. Quoi ? Eh oh ! J'aurais trop aimé venir. Eh oh ! C'était vraiment top. Ah, regardez, il y a un clochard dehors. C'est quoi ces bruits ? Pourquoi il crie ? Je sais pas. C'est quoi ce bruit de Golemon, là ? De toute façon, faut qu'on aille en cours. Ah ouais, faut qu'on aille en cours, là. Eh oh ! Eh, vous faites quoi ? Ouh ! Eh oh ! Eh ! Mais Awarizana, mais Chloé, mais qu'est-ce qu'ils font ? Les amis, oubliez pas, si vous voulez participer au concours pour gagner 100€ de cadeaux, vous devez tout simplement télécharger le jeu qui se trouve en lien dans la description ou en commentaire épinglé et arriver au Royaume 5. Bon visionnage. Mais c'est quoi ce délire? Y a marqué quoi? Réservé aux riches? Hein? Mais pourquoi c'est réservé aux riches? Mais attendez, mais moi aussi. Mais non, mais ça coûte super cher. Mais moi aussi, je suis riche. Enfin, non, je suis pas riche. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Une école réservée aux riches? La barrière est en or. Oh, mais pourquoi est-ce que moi, je suis pas convié à venir dans cette école? Réservée aux plus de 10? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, au plus de 10? Qu'est-ce que c'est que ça, plus de 10? Ok, vous savez quoi? Moi, je vais aussi être riche et je vais intégrer cette école. Je me demande ce qui se passe à l'intérieur quand même. Je vais aller récupérer tous les diamants qui se trouvent chez moi et je vais revenir et je vais payer cette école. J'espère que j'aurai assez de diamants, hein. Sinon, oh là là, je vais pas pouvoir aller en cours avec les autres. Bon, je vais aller récupérer les diamants qui se trouvent chez moi et je vais retourner à l'école avec. Je vais montrer les diamants et je vais voir. Normalement, avec tous les diamants que j'ai, c'est sûr qu'ils vont pouvoir m'accepter à l'école. Ok. Bon alors, où est-ce que j'ai caché mes diamants? C'est ici normalement que je cache mes diamants. Ok, 64 diamants. C'est sûr qu'avec ça, à l'école, ils vont pouvoir m'accepter. Wouhou, 64 diamants. C'est vraiment beaucoup parce que je vois très mal Awariz, Anna et Chloé à mettre autant de diamants pour une école quand même. Attendez, c'est juste une école. Qui met autant d'argent dans une école? Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Je vais donner ça et c'est sûr que le prof, il va m'accepter. Ok, mais voilà. Je vais appeler, je vais crier de toutes mes forces pour pouvoir être accepté. Oh, regardez, il y a quelqu'un. Oh, ok. Oh, Awariz, 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 il m'a évité. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, je veux intégrer l'école réservée aux riches. Vous voulez intégrer notre superbe école réservée aux riches? Mais combien avez-vous? J'ai 64 diamants. Regardez, je suis super riche. Wow. 64? Mais c'est absolument pas assez. Quoi? Pas assez? Aïe. Mais c'est quoi délire? Qui m'a balancé? Awariz, je t'ai vu. Je t'ai vu. Aïe. Un clochard. Vite, attention, faites attention au clochard. Il rentre dans l'école. Mais j'ai pas. Qu'est-ce que tu veux, le petit là? Vous arrêtez de tirer du haut de la fenêtre là? Non, mais dis. J'ai envie ce que tu veux. J'ai envie d'intégrer l'école. Et avec quel moyen? Bah, mes 64 diamants à l'école réservée aux riches. 64 diamants. 64 diamants. J'ai bien entendu, c'est vraiment pas assez pour le coup. C'est incroyable. 64 diamants, vous voulez peut-être acheter, je sais pas, la touffe d'herbe qui se trouve juste derrière vous ou la fleur rose ici? Non, je veux intégrer l'école avec mes 64 diamants. allez donc acheter un cheeseburger, comme disent les jeunes. les pauvres. Mais attendez, je viens de me faire remballer par le prof et la brute. Mais c'est quoi ce délire? Même Amoris m'a traité de clochard. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais devoir avoir plus d'argent. Comment est-ce que je vais faire pour avoir plus d'argent? Je pense que je peux travailler. Il faut que je trouve un emploi. Où est-ce que je vais trouver un emploi? Le café? Non, ça paye pas assez. Qu'est-ce qui paye assez ici? Un petit job étudiant vite fait. Travailler au stade? Non, il n'y a pas de match en ce moment. Au poste de police? Non, je suis pas pris, je suis pas assez balèze. Ok, peut-être à l'hôpital, mais je suis pas médecin. Bon, écoutez, je vais trouver un endroit où est-ce que je vais pouvoir travailler. Oh, je sais! Au magasin de vêtements. C'est sûr qu'au magasin de vêtements, je vais pouvoir bosser. Ok, c'est bon, j'ai été employé. Alors, voyons voir. Windows 98. Ah, ça, c'est bien, c'est une très bonne version. C'est une version super récente de Windows. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh là là, quel sale boulot. Oula, attendez. Oh non, me dites pas que c'est pas vrai. La brute vient voir. Oh non, il faut vite que je me cache. Oh là là, comment est-ce que je vais faire? Mais je vais devoir l'accueillir. Oh là là, si j'accueille pas un client, je vais me faire virer par le patron. Oh, je vais enfiler un masque. Ok, je vais prendre un masque vite fait. Hop là, tac. Ok, c'est bon. Je vais emballer ça. Hop là, tac. Ok, c'est bon. Ouh. Oh,
ok, c'est bon, j'ai... Ok, j'ai refilé ça. Bon, clairement, on dirait que là, je sais pas comment il va me faire. Il va le prendre là, parce que je viens clairement d'enfiler un masque à gaz. Bon, faut pas qu'il me reconnaisse. Hop là. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Dites-moi tout. Est-ce que votre taudis serait à vendre? Mon taudis? Quel taudis? Bah, votre magasin, regardez, il est complètement vide là. Sur les étendoirs, il y a absolument rien. Je serais très intéressé pour racheter l'entièreté du bâtiment. L'entièreté du bâtiment? Vous voulez racheter le bâtiment? Oui, bien sûr. Ok. Oh, je vais vendre le bâtiment à une mine d'or. Attendez, vous voulez racheter tout le magasin avec tout ce qu'il y a dedans? Le magasin, enfin tout ce qu'il y a dedans, c'est peu dire, il est complètement vide. Ok, 10 stacks de diamants. 10 stacks de diamants. Ouais, 10 stacks de diamants c'est pour l'ensemble. Le 10 stacks. J'entends très mal ce que vous me dites avec votre masque à gaz. Je peux savoir pourquoi vous portez ça sur le nez? Parce que pardon, excuse-moi, j'ai le Covid. Voilà, c'est pour ça. Ah d'accord, j'ai cru que j'avais l'odeur des gens qui sont partis des moins de 10. Oh là 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 là, attendez. What? Mais c'est quoi ça? C'est quoi les moins de 10? Ça veut dire que les gens qui gagnent moins de 10 000 euros, et bah, ils puent, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est super sympa ça. Enfin, c'est même pas sympa du tout. Bon, alors, qu'est-ce qui. Bon, c'est bon, vous acceptez ou pas? Écoutez, je vais me procurer l'argent juste en face là-bas et je reviens. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est super. J'espère qu'il va me racheter. Peut-être qu'en avec tout cet argent. Bon, faut pas que je le dise au patron, mais avec tout cet argent, il y a moyen que je puisse intégrer l'école des riches. Wouhou! Bon, faut qu'il me donne la thune. Faut qu'il me donne la thune. Ok, est-ce qu'il est là? Ok. Ah, c'est bon, vous avez l'argent? C'est bon, j'ai complètement l'argent. J'ai même un peu plus si jamais. Voilà. Parfait. Il y a trois petites... Ouais. Ok, ça vous va? Ouais, ça me va, ça me va. C'est du moins qu'il y a les minimum 10 stacks de diamants. Ah oui, il en manque là. Hein. Moi, je veux 10 stacks de diamants. 10 stacks. 10 stacks. Sinon, je prends pas. C'est pas à vendre. Bah, j'ai quand même l'impression que votre bâtiment ne vaut pas 10 stacks de diamants, mais si, bon. Si, il en vaut largement. De toute façon, si vous étiez vraiment riche, vous me les donneriez, non? Ah bah, vous me les donneriez. Évidemment, je peux vous les donner, bien sûr. Voilà, mais... voilà, on est d'accord. Allez, j'ai quand même l'impression que ça ne vaut pas 10 mais stacks. Mais si, mais largement, donnez-moi, allez, donnez. Ok, y a bon. Pas de souci, je vais vous les donner. Clairement, si on veut faire des affaires, c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Ok, bon, déjà, j'ai un stack, quasiment 2 stacks. Allez, il en faut un peu plus, là. Allez-y, prenez tout ça, prenez ça, mon pauvre. Ok. Attrapez cet argent. Merci. Bon, ok, 2 stacks. Peut-être encore, allez, encore. Voilà, parfait. Parfait, qu'est-ce que allez-y, j'ai là? Il me manque quoi ça, 45, ça. Ok. La journée. Vous allez en avoir assez, j'en ai un peu plus sur moi. Oui, c'est parfait. C'est parfait, j'ai les 10 stacks. Ok, parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, on fait une affaire conclue. C'est parti. Attendez, mon petit monsieur. Avant de me laisser les clés de ce taudis, est-ce que vous pourriez enlever au moins la poussière? Ouais, ça doit être ça. Bon, je vais le faire, hein. Si. Et pour qui il me prend, lui? Bon, vous savez quoi? Maintenant, je vais pouvoir aller à l'école des riches. Il faut que je me sape. Bon, alors, je vais prendre les habits qu'il faut. Tac, hop là. C'est parfait. Ok. Ok, c'est bon, j'ai enfilé une tenue parfaite pour être un riche. Ok, c'est bon, monsieur. Où est-ce qu'il est? Attendez, il m'a laissé, il s'est barré. Bah, parfait. La brute s'est barrée. Bon, allez. Maintenant, direction l'école. Ok, me voilà. Bon, alors, voyons voir. Là, je vais être accepté. Eh oh, monsieur le professeur. Ouh. Alors, attendez. Ok. Oui, mais encore vous, je vous avais déjà dit de revenir quand vous auriez assez de diamants. Eh ben j'ai assez de diamants, maintenant je suis blindé aux as. Regardez ma tenue de riche. Déjà? Mais comment vous avez fait pour avoir tout cet argent rapidement? On bosse, regardez, j'ai plein d'argent, hop là, avec ça je vais pouvoir rentrer, hein, n'est-ce pas? Oui, s'il y a assez, si je fais bien le compte. Ah bah ouais. C'est sûr qu'il y a assez, allez ouvrez-moi, moi maintenant je veux intégrer l'école des riches. Je suis un riche maintenant, je suis un plus de 10, c'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez intégrer l'école des riches. Super, bon. Alors, il y a l'école des riches. Oh bah regardez, il y a Awaris qui m'a pris pour un pauvre tout à l'heure. Et il y a Anna. Oh, bienvenue, t'as le cadeau. Justement, heureusement que vous me dites bienvenue, hein. C'est normal. Qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, je suis riche, je suis un plus de 10. C'est trop cool, bienvenue à toi avec nous. Ah, merci beaucoup, je suis content de vous voir. Un plus de 10. 10 euros par mois? Non, un plus de 10 000 euros par mois. Ouais. Quoi? Mais attends, mais ça c'est de la Kaamelott. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté ouais. Dans son magasin à lui. Ou dans son magasin mais, à lui. Mais attends, mais d'où tu sors cet accoutrement? Je l'ai acheté dans ton magasin à toi, tu sais, le magasin que t'as acheté. Mais comment t'es au courant que j'ai acheté un magasin? Je suis au courant de tout, je suis un plus de 10. Allez, laissez-moi la place là. Hop. Voilà, classe. Merci. Bon alors, où est-ce d'ailleurs, qu'on a on va bientôt rentrer en cours. Allez, vous pouvez aller en classe. Ouais. Ok, Anna, si vous voulez cours. C'est bien, t'as le cadeau. C'est ici. Viens, t'as le cadeau, Sinou. Ah, je vous suis, les filles. T'as le cadeau, je peux me mettre à côté de toi. Non, je vais me mettre à côté de Chloé. Tu sais quoi, vu que t'as pas voulu me laisser rentrer tout à l'heure. Allez, Chloé. Viens, t'as le cadeau. Moi, c'est ici.
Ouais, moi je me mets à côté de Chloé. Ça va, Chloé? Ça va bien, et toi? Je savais pas que t'étais une plus de 10. Bah si, j'ai toujours été une plus de 10. Ah, ok, d'accord. Bon, et avoir... Toi, par contre, je savais pas. Hein, mais... Bah ouais, bah maintenant je suis un plus de 10, hein, c'est comme ça. Hein. Bah trop, trop bien. Je suis contente que tu sois dans ma classe. Ouais, moi aussi, je suis bon. Super content. Trêve de bavardage, aujourd'hui nous sommes en cours de maths, il me semble. Et aujourd'hui, normalement, pour ceux qui étaient là hier, il devait y avoir un petit DM, n'est-ce pas? Un quoi? Un devoir DM, maison. Devoir maison. Un devoir maison. Quoi, vous nous avez envoyé un DM sur Instagram, monsieur, mais vous êtes bizarre. Non, pas un DM sur Instagram. Mais il est bête, lui, ou quoi? Mais c'est un DM, un devoir maison, Awari, c'est pas un DM sur Instagram. Ah, pardon, je me suis trompé, désolé. Bah, je l'ai pas fait. Il est riche, mais il est pas très intelligent. Ouais, riche, pas très intelligent. Bon, comme monsieur Talcado n'était pas là hier et qu'il a pas pu participer au DM, est-ce que quelqu'un pourrait lui lancer quelques questions? Lancer? Attends, je prends quoi? Je prends un bout de papier. Vas-y, lance-moi une question, je l'attrape. Vas-y, vas-y, Awari. Ok, ok, attends. C'est une expression, mais fois moi. Monsieur le professeur, c'est pas notre faute si hier Talcado n'était pas riche. Oui, mais après, pourquoi il ne pourrait pas rattraper le devoir que vous allez lui faire? Je lance une question. Pas dans ta tête. Oh, c'était quoi la question? Non, mais. Bah, tu l'as reçu, non? Ah ouais, je l'ai reçu, mais je sais pas c'était quoi, hein. Bon, allez, que font 3 plus 3? 3 plus 3? 2? 12, bien évidemment. Voyons. Bah, 3 plus 3, ça fait 33. Mais ça fait 2, je crois, non? Ouais. Ah oui, c'est 2, c'est 2, elle a raison. Mais elle a... Non, Anna, vous aviez dit quoi comme réponse? Moi, j'ai dit 8. Quoi? Mais vous êtes tous nuls ou quoi? Mais 3 plus 3, ça fait 6, 3 plus 3. Excellent, Talcado, bien joué. Mais attendez, mais c'est pas possible. Oh, il est trop intelligent. Mais attendez, bravo, Talcado. Mais vous êtes tous débiles ou quoi? Mais comment c'est possible? 3 plus 3, et vous êtes tous riches et vous êtes tous nuls. Mais c'est quoi ce délire? Hein? Bande de nuls, bouh. Et toi surtout. Hey, oh. Bah, t'es nul. Oh, c'est calme quand même. Talcado, t'es nul plus aujourd'hui. Calme-toi. 5 fois 5. 5 fois 5. 5 fois 5. 55. C'est 55. J'ai pas entendu une bonne réponse. Je n'ai pas entendu une seule non plus. Et vous savez? Moi, bah bien sûr, ça fait 25. Ouais, 25. Bah 25. Franchement, il est meilleur que vous. Il vient d'arriver, oh, il est meilleur que vous, hein. Paul Fayot. Bah écoute, non, moi je suis riche et intelligent et toi t'es riche et débile, Awariz. De toute façon, ça change pas. On est toujours con. Monsieur le professeur, moi je suppose quand même qu'il est venu à côté de vous et vous lui avez soufflé la réponse. Moi souffler la réponse, mais vous m'avez pris pour qui? Bah attendez, si vous trouvez pas ça bizarre que seul lui ait la bonne réponse? Bah regardez, on peut faire un test maintenant. 12 plus 8. 12 plus 8, 128. 69. Mais, 14. Mais ça fait 20, mais vous êtes tous nuls ou quoi? Oui, ça fait 20, excellent. Ah mais merci. Non mais attendez, mais c'est quoi ce niveau de maths? Mais on vraiment c'est n'importe quoi, hein. Moi, mais comment tu fais, t'as le cadeau? Bah je suis juste fort, hein. Écoute Chloé, je suis riche, intelligent, beau, que dire oui, de plus? Oui bon, ça va, t'as le cadeau, on te dérange pas non plus. Bon non, oh, tu attendez, me déranges pas. Fouillez-le quand même, je suppose qu'il a une calculatrice planquée quelque part. Ou un truc comme fouille. Ah non mais arrêtez, mais vous êtes malade, mais lâchez-moi enfin, mais vous êtes... Laisse-nous regarder quand même. Moi je vais te fouiller, t'as le cadeau. Bon allez c'est bon, lâchez-moi, moi j'ai faim maintenant. Non, t'as le cadeau, Anna, fouille-le. Non c'est bon, il avait pas de calculatrice, voilà. J'ai tout fouillé. Voilà, elle a tout fouillé d'abord, voilà. Et c'est toi la brute, t'es juste nul. Voilà, c'est tout, en trois mots, en trois lettres, pardon. Comment? Nul, on se reverra à la sortie de l'école. Oh bah, pas de soucis. Oh, ça je crois que c'est des menaces, t'as le cadeau. On va se disputer. Ouais, je crois bien, en plus il a bouffé mon bureau. Je sais pas si disputer c'est le terme, je pense qu'ils vont plutôt se tabasser. Non, tu penses? Je vais lui faire un bourre-pif du futur. Quoi? Un bourre-pif? C'est quoi ce mot de plus de 10 là? Bon, écoutez, moi je vais aller manger, c'est parti, ciao les nuls. Ouais, c'est l'heure de la pause, allez, bon ça. Super, bon moi j'ai une faim de loup, autant vous dire que voilà, bon tout le monde... Bravo bah... Talcado, t'es trop fort. Oh, merci Anna. T'as été génial Talcado, c'était incroyable. Ouais, merci. C'est ici qu'on mange Talcado, viens avec nous. Ah, super. Tu peux te mettre à notre table en plus. Ah ouais, c'est la table des plus de 10, c'est ça? Ouais, c'est bah ça, oui, mais c'est l'école plus de 10 de toute façon. Ah oui. Ah, vraiment, les repas dans les écoles de riches, c'est pas comme dans les cantines normales, hein. Non, c'est clair. Ah, c'est super bon. Et moi, on se voit à la sortie de l'école pour un 1v1 en spliff. Quoi? Un 1v1 en spliff? Oh, il t'a défié au spliff. Mais c'est quoi un spliff, les gars? C'est un mini-jeu où tu dois creuser sous les pieds de l'autre et il y a de la neige et au bout, il y a de la lave. Oh, ça, j'aime bien. Je vais pouvoir brûler du riche. C'est quoi, une chasse au trésor? T'es pas riche aussi, t'as le cadeau? Si, je suis riche. Si, je suis super riche. Je suis super riche. D'ailleurs, t'as cadeau, comment t'as fait pour être riche? Tu vas nous le dire ou pas? Ouais, raconte-nous. Non, c'est un secret. Les grands entrepreneurs ne dévoilent pas toutes leurs combines, ok? Ok. D'accord. Ah bon, j'ai fini de manger. Tu finis ton burger, Anna? Ouais. Super.
Qu'est-ce qu'il veut lui encore? Toujours après. On se voit après. Au réveil, hein. Positif. Et celui qui perd devra donner un secret. Un secret? Quel genre de secret? Par exemple, comment t'as fait pour arriver jusqu'ici en étant à moins de 10 hier? Ouais, ok, d'accord. Oh non, mais attendez, mais comment est-ce que je vais faire? Il faut que je dise mon secret de comment je suis devenu riche. Personne le sait. Il faut pas que je dévoile ma combine. Parce que je suis devenu riche grâce à la brute, en fait. Oh, imaginez, tout le monde sait que je suis devenu riche grâce à la brute. Oh non. Comment est-ce que je vais faire? Bon, il faut absolument que je gagne ça. T'inquiète pas, mon gars, je vais m'occuper de toi, ok? Rendez-vous après l'école. J'ai tellement hâte. Ouais, moi aussi, j'ai super hâte. Bon, venez, on s'arrache, les autres. Ouais, on y va. Ciao, la brute. Chloé, tu penses que je vais gagner? Tu penses que je vais les battre? En vrai, oui, je pense que tu peux réussir. Ok, bon, alors, il faut qu'on aille au spliff. On y va? Oui, mais je sais pas où c'est. Je suis jamais allée au spliff, moi. Moi, je me dispute avec personne. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était dans le gymnase. Bon, bah, je te suis. Tu viens d'arriver, mais t'as l'air de mieux connaître que moi. Ouais, je sais pas. Bon, t'as intérêt à m'encourager, hein, Chloé? Mais oui, bien sûr. Ah, super. Bon, alors, je vais avoir Anna, Chloé. Tiens, regarde, la brute est juste là. Bon, on y va, c'est parti. Ok, je prends mon courage à deux mains et je vais clairement battre la brute. Ok, ok, accueillez-moi. Wouhou! Allez, t'as le cadeau, voilà. Tu peux y arriver. Ah, merci. Dans le ring. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je rentre dans le ring. C'est parti. Me voilà, la brute. Venez devant moi. Ok, d'accord. On vient devant toi, Anna. Par les pouvoirs qui me font conférer une pelle et une pelle. Ça, c'est ma pelle, la brute, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous donner le top départ. Le but est de creuser sous les pieds de votre adversaire et de le faire tomber. Ok. Rira bien qui rira le dernier. Mettez-vous chacun dans un coin. Ok, dans un coin. Hop là. Tu sais ce que c'est, un coin, au moins, t'as le cadeau. Ouais, je sais ce que c'est, le coin. C'est là où tu vas finir. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. C'est parti. On fait caca culotte. On a peur. Non, vas-y. Viens. On se fait caca culotte. Viens. Bon alors. Approche. Allez. Petit moins de 10 que tu es. Encouragez-moi. Allez, vas-y, t'as le cadeau. Mais je vais attaquer. Bravo. Allez, il est en train de brûler. Il a brûlé. Bon alors, on est nul, la brute. Bah voilà, c'est qui le boss? Bravo, t'as le cadeau. C'est qui le boss? C'est super. Bah c'est toi. Bah oui, trop je sais chaud, que t'as moi. Le cadeau, trop chaud. Qui est trop chaud, comme ce que t'es en train de faire là. Ouais, du spliff. Ouais, je vois ça. Bon, écoutez, bon alors, je pense que j'ai rien à prouver à personne. Hein. C'est lui qui va devoir me donner. Mais du coup, ça veut dire qu'il va devoir dire un secret. Mais ouais, il va devoir dire un secret. Ah ouais, t'as le cadeau, donne un secret, vas-y. Non, mais c'est pas moi qui dois donner mais un secret. Mais non, mais t'as le cadeau. Il a gagné, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas regardé? Non, je regardais pas, j'étais occupé. Ouais, mais je vois ça que t'étais occupé. Ouais, je vois ça. Y avait rien du tout, y a rien du tout. Ouais, ça fait encore de la fumée là. Bon, alors voyons voir. Où est-ce qu'il est du coup? Je sais pas, il est peut-être dans le couloir. Il est là! Oh, il est là! Secret, attends. Un secret. Bon, ok, je vais devoir vous avouer un secret. Vas-y, avoue-nous un secret. J'ai pas d'idiote. J'ai pas d'iote. C'est nul comme anecdote. Mais non, c'est bien, il a pas d'iote, c'est que c'est un faux riche. Ouais. Ah oui, c'est un... Bah non, ça se trouve, il a une montre super chère. Bon, et pas ta sûr. Montre, c'est quoi comme montre? C'est une Bolex. c'est une Rolex, ouais. Bon, vous voilà sur mon yacht. Il est trop stylé. Il est trop bien. Il est trop trop cool, ce yacht. Vous aimez bien? Et au moins, quand t'en as en vrai, pas comme l'autre. Et ouais, bon, ce que j'aurais pas dit, c'est que c'est une yacht. Il est où la brute, d'ailleurs? Justement, venez voir, il est là-bas, regardez sur un radeau. Ça nul. T'as pas de yacht. Laissez-moi venir au moins. Non. Bon les amis, on va se laisser pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Il y a deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. Moi perso, j'ai eu un plaisir de la rec comme d'habitude. Vous likez, vous abonnez. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Awaris, Chloé et Anna. Ciao les potes. Tout de suite un alien à l'écran.